Bonjour à tous, Massiré Kanté, nouvelle recrue du FC Mulhouse. I'm in the big leagues, told them don't miss me. Ballin' like Houston, hey, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen the effort, this piss boy. Got too much, I got 10-2. All our payments in the red due. Told y'all that I'm 6 foot with the money stamina, I'm 10-2. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip, got old problems with a friend's new. Yeah, I'm in the big leagues, told them don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh. Donc, tout d'abord, j'ai commencé en région parisienne. Donc j'étais en 19 nationaux au Racing Club de Paris. Donc ensuite après je suis parti au centre de formation du Mans. Donc j'ai évolué stagiaire pro au centre de formation du Mans. J'ai signé 2 ans. Après j'ai évolué, j'ai fait mon premier contrat pro. J'ai signé 3 ans. Et donc j'ai fait mes premières années pro au Mans. Et ensuite j'ai reprolongé encore 3 ans au Mans. Donc ça fait, j'ai fait presque 9 ans au Mans. Et ensuite, après, je suis parti CA Bastia en Ligue 2. Donc après, j'ai fait 1 an. Après, je suis parti au Red Star en National, dont j'ai fait une montée National à Ligue 2. Après ça, je suis venu à côté, en Alsace, au Racing, club de Strasbourg. Donc j'ai refait encore une montée de National à Ligue 2. Et après ça, j'ai été prêté à Sedan. J'ai été prêté à Sedan. Donc Sedan, malheureusement, on ne pouvait pas faire 3 mois tout affilée. Donc on est descendu de National à CFA. Et ensuite, je suis parti à Martigues en N2. Donc après Martigues, je suis parti à Fleury. Après Fleury, je suis parti à Toulon en N1 National. Et ensuite, je suis parti à Colomiers. Et entre-temps, je suis parti à Bastia, à La Trêve. Et après, je suis parti à Poissy, et ensuite me voilà au FC Mulhouse pour faire monter le club. Un très grand club, franchement, avec des infrastructures franchement dignes de pro. J'ai été surpris de voir autant d'infrastructures dans un club de N3. Je te dis, même j'étais en N2, dans les clubs de N2, il n'y a pas autant d'infrastructures. Et franchement, après, ouais, on a une très bonne équipe, on a un groupe large, donc avec des bons joueurs, des joueurs d'expérience. Moi, je suis venu ramener ma petite pierre à l'édifice. Voilà, donc je suis venu ramener ma petite expérience. Je sais que les ambitions du club, c'est de monter le plus rapidement possible. Et je suis là pour ça. C'est une pré-saison assez compliquée, puisque c'est la première fois de toute ma carrière où je n'ai pas fait totalement la préparation. Donc, après le match de Fribourg, j'ai reçu un petit coup au niveau de l'adducteur. Donc j'ai eu une élongation stade 3, donc il prend un mois et demi. Donc c'est assez frustrant de voir mes coéquipiers enchaîner les matchs amicaux, de jouer. Et moi je suis sur le côté à les regarder. C'est vrai que c'est assez frustrant parce que comme je dis, c'est la première fois. En plus la préparation c'est pour monter en puissance. Donc là j'essaye de rattraper un peu mon retard que j'ai effectué. Donc je fais tout, je bosse bien avec le préparateur physique Lionel. Et donc il fait tout pour me préparer pour rattraper mon retard.